On est parti. Open playtime. Parti. Alors, voyons voir. Chapitre 1. Une étreinte serrée. En tant qu'ancien employé de Playtime Co., tu retournes enfin à l'usine des années après que tout le monde ait disparu. Ouais. Nouvelle partie. Ok. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Qu'est-ce qu'il raconte? Just watch. Bref. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Poppy playtime. My name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. Déjà là, la poupée là, déjà elle s'est flippée. Déjà, c'est pas une bonne chose. Ok. Poppy Playtime. Ah ouais, bon. Comme je l'ai dit les gars, jamais joué à des jeux d'horreur. Ah, ok. Tout le monde pense que le staff a disparu 10 ans auparavant, mais nous sommes encore là. Trouvez la fleur. Tu verras, tu vas chicler de peur. Ouais, si tu le dis, ça doit être vrai, hein. Écoute. On verra, hein. Tu vas kiffer mes goustas. Alors, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose avant. Juste une petite seconde. Il faut que je change ça. Tac. Et je repars là-dessus. Et non. Non. Ouais. C'est bon. Escape pour faire pause, ok. Regarde les bienvenue. Ok. Bonjour. Y'a quelqu'un ici? Ah. Il me dit OG toilette. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je vois le lecteur de cassette. J'imagine que ça va être ça, mais je peux pas le prendre maintenant. Lève-pierre closing. Fermeture de lève-pierre. Bienvenue. Well, merci. Le verre qui est brisé ici, c'est pas une bonne chose. Manger sainement, comme Brown. La cafétéria de Playtime Company recommande un apport journalier de 4000 calories. Ok. Bah, prends la cassette et mets-la sur l'ordi. Ouais, bah, hey. J'appuie dessus, hein. Peut-être qu'il y a des choses à prendre, je sais pas. Attends, je vais voir. Je peux pas repartir dans l'autre sens, non? Je peux pas repartir dans l'autre sens? Non. Bon sang. Ok. On va partir par là, alors. Apparemment, la porte là-bas, elle est pas possible.
Ah, attends. Un clap. Ok. Ah, non, je m'approche pas de toi, mon dieu. Je m'approche pas de toi. Il faut le code. Il te faut le code couleur. Mais avant le code couleur, il faut que j'aille ici, je crois. E pour ouvrir la porte, ok. Ok. T'as le train ici. Avance devant. Ah. Ok. Buddy. Ok. Candidat. Oh, c'est du sang ici là. Ok. Buddy bot. Ok. Buddy. Ok. Donc clairement j'imagine, hein. J'imagine en tout cas. Mais c'est en fonction de la couleur du train, c'est ça? Déjà faute couleur, ok. Alors, voyons voir. Vert, rose, jaune, rouge, non? Tu vois? C'est ça la bonne combinaison? Alors. Poppy veut jouer. Non, je veux pas jouer avec toi, Poppy. Désolé, merci, merci. Dégage. Dégage de ma vue, s'il te plaît. Donc, alors, interagir. Donc, vert, rose, jaune, rouge. Vert. Attends. Ah, c'est ça, ouais. Vert, rose, jaune, rouge. Ok, c'est ça. Cool. Ok. Ah. Ah si si. Faire. Eux pour récupérer les objets. Ah d'accord, ok. Donc, attends. D'abord je repars en arrière. Attends. Si je savais pas que c'était eux pour prendre la cassette. Ouais, merci, je savais. Donc ça, je le prends, et normalement, c'est ça, ici. Tac, je mets sur la télé. Hi, my name is Blake Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Ici, à l'usine. Vous êtes un produit également. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. Ouais, surprise. So, you've got my warning. On n'est pas trop tard pour faire demi-tour. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Déjà, il est pas trop tard pour faire demi-tour. Hein. Est-ce que je peux partir en arrière ou pas? Est-ce que je peux revenir sur mes pas? Est-ce que je peux finir le jeu en repartant en... Non. Ok, bien sûr. Ok, si tu veux. Grave. Personnel uniquement. Enfin, je suis un personnel apparemment. Partie de la Playtime Company donc. Ah, c'est bon. Alors, on va insérer ça, on va voir ce que ça donne. Et je vais même pas skip. Rien à faire. Je vais voir. J'ai envie de savoir. Waouh. C'est trop joli. En vrai, ça va être pratique. Hein. Ça va être pratique. Enfin, donner les deux canons.
appuie à nouveau pour rétracter. Ok. Uniquement sur les petits objets. Ne tirez pas sur un trade. Je sais pas trop. Hein. Je peux. Hein. La personne, c'est pas interdit. Thank you. Ah ben oui, merci. It's the time. Play time. Ok. Bon bah, je pense qu'il est temps de prendre le backpack là. Cliquez pour gauche pour lancer la main gauche. Cliquez gauche pour lancer la main gauche. Ah. Waouh. Regarde-moi ça. Attends, regarde. Viens avec moi toi. Allez, viens, viens. Waouh, et c'est la technologie du futur ça. Ouais, c'est bizarre quand même. On va prendre toutes les chaises. On va tous les renverser juste pour faire genre. Il y avait quelqu'un ici. Ils sont tous ébouffés ou j'en sais rien. Non, viens par là toi. Il y avait voilà. Bon. Pour l'instant, t'aimes bien le concept du jeu. Écoute, le concept du jeu, il est intéressant. Hein. C'est juste le fait que t'as des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a du sang dessus. Et pas trop. Hein. Juste là, les yeux là. Si t'es bloqué, on t'aide. Ah mais merci, merci, c'est pas fini. Tu peux sauter en plus. Super, super. Il y a dans certains jeux, tu peux pas sauter, donc c'est pour ça que... Ouais, tu pouvais pas le faire. Là, ouais, et relâcher. H. Ah, oh. Lâcher, c'est bon. Ah, on commence à laguer le truc. Ah. Ok. Non, ça va aller, hein. Ça. Est-ce que je peux terminer le stream maintenant? Ça va, c'est bon. pas très amical, je trouve, hein. Mais tu peux faire ça ici. Okay. Buddy, enfin, je crois que c'est ton nom, non? Buddy, je crois que j'ai vu là sur la boîte là-bas, là. Attends. Huddy Wuddy. 1984. La Playtime Company a conçu des centaines de jouets différents, mais aucun n'a autant plu que Huddy Wuddy. Notre fondateur, Elliot Ludwig, a voulu créer un jouet capable de vous câliner à l'infini. Comme toujours, le procédé de fabrication en 4 étapes de Playtime Company a été un franc succès. Avec un peu de fil et de polyester, notre adorable Huddy bleu est venu à la vie. Huddy Wuddy est bien parti pour être pour de... Ah, pour... Attends. Huddy Wuddy est bien parti pour être pour devenir. Le jouet le plus populaire et lucratif de Playtime Company. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Huddy. Voilà. On check ça, non? Attends. Attends, il y a une main rouge. Ah oui, c'est vrai, je crois que tu avais une main rouge dans le truc.
Abby, tu bouges pas, d'accord, hein? Je reviens vite fait, d'accord? Bouge pas, hein? Je t'observe de loin, d'accord? Reste là, d'accord? Ouais. Oh. Oh. Non mais ah mais tu crois que t'es le boss ici ou quoi là? Pourquoi tu prends une clé comme ça? Et vient d'où cette clé? Vas-y, tu me caches des choses. Il me cache des choses, les gars. Il me cache des choses. Hein. La clé, elle peut arrêter de tanguer là? Non, je sais pas. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Merci, Huddy. Je sais pas trop si t'es gentil, hein, mais je préfère ne pas savoir. D'accord? Donc, on va par où après? Huddy, tu connaîtrais pas la direction? Et genre, tu m'as donné la clé, donc je... Dis-moi simplement où est-ce que se trouve la direction suivante. La cafétéria ici. Toi, tu bouges pas, toi, d'accord? T'as compris? Dis, tu bouges pas. Je reviens. My god. T'es bizarre, tu parles avec Jolie. Écoute, j'ai l'impression qu'il est le boss ici, donc peut-être qu'il parle pas, mais peut-être qu'il a une conscience, hein, qui sait, hein, je sais pas, j'en sais rien. Et tu parles par télépathie aussi, hein, j'en sais rien aussi. Bon. En plus, tu regardes les lettres. Ils ont bien fait ça en plus. Hein. Hudge. Jolie. Ouais. Regarde. En plus, il est mécano en plus. Enfin, technicien en plus. Surface. Bien. T'as plusieurs jobs en fait, toi, Huddy. Bien. Bon. Tu restes ici, d'accord? Vise pas de venir vers moi, tu vois, genre de choses. Ouais. Ok, bon. Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, souvenez-vous, oui, bien traiter les autres, être à l'heure, ne pas se cacher derrière les portes pour faire peur à l'espierre. Okay. Non, veiller après 20 heures, faire mauvais usage du temps de travail, trafiquer les machines, entrer dans l'aile innovation sans autorisation. Ah ben, être à l'heure, je sais pas trop. Hein. Et surtout, trafiquer les machines. Ou faire mauvais usage du temps de travail. J'en sais trop rien. Hein. Je pense que... Là, ils sont déjà en train de faire ça correctement. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Je vois plein de câbles électriques ici, là. Donc, pourquoi ça, c'est du sang? Ok. Ah ben alors là. Alors là. Ah bah. Ben, ouais. C'est une télé. Ah non, c'est. Comment il s'appelle déjà le Boogiebot là? Ah ouais, d'accord. Ah, qu'est-ce qu'une tête de Boogiebot fait ici? Il y a la caméra en plus. Caméra. J'ai tiens ici. Tiens ici. Ah. On va faire ça. Alors. Attraper pour diriger le courant. Attraper. D'accord. Alors, je dois aller où? Coucher avec un câble pour allumer le courant.
Notre câble. Bon. Ça. Ok. Bon, au moins il y a les caméras. Donc si jamais je meurs, ils auront des témoignages. Bon, allez. Ah non, c'est faux. N'importe. Non. Ah non. Ah non, quand même pas. Non. Avance, y a quoi? Avance, y a quoi, tu dis? J'ai l'impression que tu comprends pas ce qui se passe ici. Hein. Elle est partie où? Elle est partie où, Fudgy Wudgy là? Ça a peur de tout Atis, mais ça a peur de. Ça a pas peur de tout Atis. Ça a peur de Hollywoodie. Mais regarde quand même. Attends, mais. Bellet, il est parti faire tout à dire. Ok, bon. Hollywoodie, hein. La miniature ici, bon. Au pire, attends. Je peux la prendre? Non. Je peux la mettre à sa place, quoi. Vas-y. Non. Mince. Attends. Oh, vas-y, fais chier. C'est pas ça. Bon, j'imagine que là, je vais sur la main bleue, là. Ok. Parti. Vous voyez la même chose que moi, non? Y a pas un truc bizarre là-bas là? Non? Ça vous choque pas plus que moi? Bon bah. Bien. On dit chat. Miam, miam, mange, hein. Make a friend. Faire un ami. Donc, selon toi, Adam, il est parti faire Tatis. Ouais, donc là, j'imagine que c'est par là, tout Tatis, non? Est-ce que Hudgy il a peur de Gérard Depardieu? Ça il faut me le dire, hein, je sais pas trop. Hein. On a un mastodonte du cinéma et d'un autre côté on a quelqu'un qui sait faire des câlins. Donc, et après la taille compte un peu, non? Je sais pas. Ouais. Vers l'enfer. Il y a écrit vers l'enfer là. Bon ben, ça a été un plaisir. Hein. Je pense que la destination qui m'est prédestinée là actuellement, c'est écrit. Hein, c'est noir sur blanc. Hein, enfin, plutôt bleu sur rouge. Hein. C'est l'enfer. Hein, je dis.
Je peux pas ouvrir cette porte? Non. Oh, ok, bon. C'est pas mal, mais bon... Ah, j'ai pas envie de... J'ai envie d'aller vers là où GOG il est parti là. Ok. C'est... Je sais pas trop. Je sais pas trop les gens. Je sais pas trop. Ça bloque comme ça. Pourquoi je dois aller vers Oli Oli? Je peux pas aller autre part. Oh my god. J'espère que vous profitez du stream, hein. Parce que là, j'essaye de maintenir la peur au minimum, hein, n'est-ce pas? Des choses dans les bacs, là. C'est pas une cassette quelque part, non? Un truc comme ça. Parce que je vois un lecteur. D-bot. Ok. Où la cassette? Ok. Quoi ça? Ok, on va mettre ça là. Il n'y a pas un truc. C'est bon comme ça, non? Enfin, je sais pas. Et je pense que c'est pour ça. Hein. N'oubliez pas de faire des pauses. Les pauses de plus de 10 minutes ne sont pas autorisées. Ah ouais. Les pauses de plus de 10 minutes ne sont pas autorisées. C'est chaud quand même. Et comment je fais si j'ai pas la cassette, comment je fais pour monter? Enfin pour remonter ici. Ah ouais. Ok. Utiliser avec précaution marchandises très fragiles, ne pas faire tomber. Si tu le dis. Ça c'en était un. Ça c'en est un autre. Tu m'en manquais trois. Pourquoi tu m'en manquais? Il m'en manquait trois, je crois. Je fais ça. Censé être où la cassette? Ah, je l'ai. Enfin, j'ai ce pourquoi je voulais j'étais venu au départ. Ok. On va les mettre. J'ai réussi.
Merci. Bam. Ok. Double pouvoir maintenant. Ah. Ah. Ok. Là maintenant, on a les deux. Waouh, c'est trop cool ça. Une manière de faire les choses. Allez, c'est parti. Ouais, on va aller par où? Tirer pour compléter le circuit. Ok. Tirer pour compléter le circuit. Ici. Et voilà. Enfin. Ok. Qu'est-ce qui va nous arriver? Rien. Pas plus haut. What? Hey. Personne ne sort sans jouer. Ok. Attention, ne pas entrer. Du coup, fais-toi un ami. Fais-toi un ami. 1960. Le meilleur moment. Si tu le disais, ça doit être vrai, hein. Notre fondateur, Elliot Ludwig, était un visionnaire. Il a permis tous les plus grands exploits du Playtime Company. De toutes ses créations incroyables, la machine Fais-toi un ami est l'une des plus créatives, impressionnantes et élaborées. À elle seule, elle est responsable de presque toutes les ventes de jouets Playtime Company à ce jour. Tout ce qu'il lui faut, c'est les bonnes parties du jouet. Et elle peint, assemble et vérifie la qualité par elle-même. Plus besoin de tri complexe ni de travail pénible. La machine fait tout cela et bien plus encore. Ouais, c'est le bien plus encore qui m'inquiète. En fait, il faut du courant. Ok, ben on va aller chercher du courant alors. Hein. Make a friend. Voyons voir. Hein. Adopter le bonheur. Adopter un orphelin dès aujourd'hui. La famille d'accueil Playtime Company s'efforce de créer de la stabilité dans la vie d'orphelin en recrutant des parents adoptifs au sein de notre propre organisation. Nous encourageons tous les employés de Playtime Company de contribuer à notre mission en adoptant un orphelin. Les employés volontaires pourraient bénéficier davantage. L'initiative aide les enfants du Middle West, mais aussi les orphelins du monde entier. Chaque enfant mérite sa chance dans la vie.
Ouais, ben dis ça à tous les enfants qui ont côtoyé Oldie Wally. Je sais pas trop. Donc là maintenant, t'as un lecteur de cassette, mais rose. Les choses rose maintenant. Cassette rose. Bien, hein, on va. J'ai écouté. Hein. Attends. Eh, mais c'est pas ça. Ah, attends. Ah, c'est ça. Hein. Ok. Bon, on a la cassette rose. Mission accomplie. On repart au bercail. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting off track. Ok. Cette fille est très clairement à l'ouest. Elle a pas compris apparemment l'importance de la Playtime Company. Hein. Donc là, il y a le courant ici. Attends, je vais juste voir comment ça se passe. Il y a les générateurs ici. Ok. Et ça. Ça, c'est le 1, ça. Ok. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, on doit aller au générateur qui se trouve de l'autre côté. Voir, hein. On va passer par là. Tac. Tac. Y'a quelque chose qui... On va voir quelque chose. Là c'est numéro 2 donc on va avoir l'énergie. Ça devrait être comme je l'ai fait au départ, quelque chose qui n'est pas opérationnel ici. Bien. Avance. Avance. Fait comme avant. Viens par là toi. Voilà. Je vais passer par là. Voilà. C'est fait.
l'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Courant activé. On en parle. On en parle non là de cette boîte là, tu m'as l'air depuis tout à l'heure là. Tu me regardes. Si je saute d'un endroit à l'autre, tu vas me suivre. Ah ouais, me suis hein. Il n'y a que elle qui me suit par contre. J'imagine que on doit faire un ami. Ça, hein, je crois. Ah d'accord, ok, ok, je crois que j'ai compris. Ça. On va faire ça et on va faire ça. Ah, t'es mouillardé toi. Bonne ça. Sont en train de créer je te jure, il a le mec moi lui. Mais c'est quoi, c'est un chat, c'est une abeille. Ouais, attends, c'est le truc des miel pops ou quoi? C'est là. Pour de scan. Alors, il y a une du noir là-bas. Pourquoi il fait aussi noir là-bas là? Ok. Wow, wow, wow. Hey, pense. La force. Pense. Regarde, t'es pas bon. C'est pas possible. Hein? Tourne. C'est pas possible. Oh my god. Oh my god. Mais il avance lentement, lui. Plus de vie sont que simplement la tienne. Lève-toi. Mais c'est quoi ça? Ok, Huggy, j'ai pas envie de rester avec toi, j'ai pas envie que tu me fasses des câlins en fait. Ouais. Et je crois que tu veux plus que des papouilles, hein.
Oui. Non. C'est vrai que tu me fais recommencer ici? Y'a pas une manière pour sprinter plus vite, non? Ah ouais. C'est pour... C'est pour attraper. Attends, dans les contrôles, dans les contrôles, il n'y a pas un truc genre pour... évidemment, tu as courir, évidemment, tu as courir. Attends. Je suis bête. Ah, je suis trop bête. Je savais même pas. Je savais même pas que je pouvais courir. Ok, bon, ben, on est reparti, hein. Bon, Huggy, s'il te plaît, me fais pas trop de câlins, d'accord, s'il te plaît. On est reparti. Oh my god, allez, 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 vite, cours. Mets la flèche, cours. Mais le sprint. Là, va. Vite. Là, je suis bloqué. Stop. Un autre message comme ça là? Innovation. Ah, bien sûr. L'innovation est la clé. Merci, science. Il est trop beau, hein. Ah, il est vraiment trop beau, Huggy Wuggy. Hein. Ah. Ok. Je peux y arriver. Huggy, c'est toi et moi. Huggy, non. Huggy, c'est pas possible. Laisse-moi tranquille, Huggy. Laisse-moi tranquille. Huggy. Vite. Vite! Oh, par ici. Tourne. Vite. Tourne. Là. Saute. Je suis bloqué. Pousse. Allez. Oh my god. C'est par où la sortie? On va y arriver ensemble. On va y arriver. Faut juste que je me rappelle. Faut que je vois s'il n'y a pas d'autre porte. Allez, on est parti. Oh. Ne les laissez pas rentrer. On est parti. Allez. Let's go. Oh my god. Tourne. Voilà. Allez.
What? What? Oh my god! Oh my god! Mais avance! 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 J'étais presque. Il y a trop de déviation dans ce jeu. Comment tu peux faire? Au moins maintenant je connais le chemin, mais. Ok. On est parti. On est parti. Let's go. Let's go. Allez. Oh, Audi, je veux pas de câlin. Audi, je veux pas de câlin. Câlin. Audi, je veux pas de câlin. Laisse-moi tranquille. Oh my god! Allez! Avance! Voilà, Woody. Voilà. J'ai réussi. Bonsoir. Non, attends, regarde. Il y a du sang. Enfin, c'est du sang, mais c'est du sang bizarre. Quoi, Jiwaji, c'est un humain ou c'est quoi? Ils ont fait quoi avec ces machines, ces trucs? Oh my god! Oh là là, qu'est-ce que c'était stressant! Oh my god, c'était flippant de ouf! Oh là 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 là! Le sang. C'est pas si c'est la fin de. Pas si c'est la fin de Oji Woji. Mais waouh. Il y a la fleur. Là, j'ai réussi. J'en ai rien à faire. J'ai réussi. C'est pas simple. On a la cassette. La cassette grise. On va mettre ça. Cassette. Final log in relation. Experiment. Prototype. 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Okay. Still missing. Today's events are no doubt in relation to him.
Jackson's absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Ah ben... Ben voilà. On s'amuse à jouer avec... des poupées. Faut s'attendre à ce que elle se retourne contre toi, hein. Waouh. Ok, ils sont tous pendus. Non, courez, danger, stop, non, partez, courez. Demi-tour, partez, non, non. On me demande de faire demi-tour là. Hein. Ok, ok, ça marche, ça marche. Je vais pas faire demi-tour, c'est bon. C'est... Ok. Et sympa par ici, hein. J'aime trop la déco. Ah, regarde, regarde, les luminaires et trucs comme ça. Super. C'est pas du tout creepy. Ok. Pourquoi j'entends du bruit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment là. Je sais pas, hein, en fait, hein, je sais pas trop si j'ai envie d'y aller, hein. La couleur me dit rien qui vaille. C'est pas pour vous, hein, mais bon. Oh non. C'est Poppy. Poppy. Continue. Ok. J'ai déjà eu OG. OG. Je veux pas d'autres surprises. Oh my god. Oh. Et c'était flippant, ça c'est clair et net, hein. Déjà en plus là à la fin du chapitre 1, on a ouvert la boîte de Poppy. Mais j'ai pas envie de rencontrer Poppy, hein. Déjà ses yeux ils me traumatisent.
C'est on dirait. On dirait c'est un Shaitan en personne, en plus avec la musique et l'ambiance déjà. Le Poppy là. La Poppy là. J'en veux pas. Je n'en veux pas. Elle va me faire flipper. Mais pas possible. Et encore, je sais pas pourquoi. Mais Attends, vous avez vu quand même la machine, là, la machine qui a généré les le chat bizarre abeille, comme je disais là, le miel pops, la peluche miel pops, je vais l'appeler comme ça, je pense. En plus, c'est dans les affiches, c'est miam miam là, c'est des mange bien là. C'est un truc de fou. C'est mortel. Mais attends. Quand même, regardez la taille de la compagnie. Je me dis, on a juste fait un secteur. Le secteur, c'était quoi? C'était donc le hall d'entrée. T'avais la zone principale. T'avais le local technique. Où il fallait genre remettre de l'énergie, tester. Il y avait l'endroit où ils rangeaient tout leur leurs marchandises lourdes, trucs comme ça. On a récupéré les deux mains, mais il y avait aussi la partie faire un ami. Et à partir de faire un ami, alors là c'est parti en vrille. On est parti dans les tunnels, dans les backrooms. Ça ressemble à des backrooms, hein, les tunnels. je sais pas vraiment. Enfin, je sais à quoi ressemblent à peu près les backrooms. Voilà, j'ai vu des vidéos. Et ça là, ce que j'ai fait. En plus, attends, j'ai des réactions à chaud. Je laisse tomber. Le hoodie, le gars. Il te poursuit. Et en plus, à un moment donné, j'ai regardé derrière moi. Et le gars, tu le vois, il est en train de monter comme ça. Je vais t'attraper. Vas-y. Explique. Vas-y. Je veux pas de câlin. Donne-les à qui tu veux. De votre compagnie, Playtime Company. Simplement pour faire des câlins. C'est bon. J'ai ma dose. Et en plus, là. Heureusement, j'ai pu t'esquiver et t'es tombé. Voilà, tant mieux. T'es tombé. T'avais du sang là sur les poteaux là, enfin sur les tuyaux là. Je sais pas ce que t'es. Est-ce que t'es vraiment une poupée? Est-ce que t'es un alien? Est-ce que t'es un humain déguisé en alien? Ou enfin, un alien, en poupée? Je sais pas trop, hein. Qu'est-ce que t'es Ellie. Ça va me trotter dans la tête. Ah, c'est clair et net, hein. Je pense, hein, que. Enfin, je vais essayer de dormir, hein. Mais. Là, en fait, c'est l'adrénaline, hein. Mais je suis aussi. J'ai encore le cœur qui bat la chama, tu vois. Ça fait des poum-poum. Mais. Pourquoi? Je suis désolé, hein, je développe là, mais j'ai pas le choix. Pourquoi ils ont créé des poupées comme ça? Ils voulaient que ça marche, ils voulaient que ça fonctionne. Ok, très bien. Mais nous faites pas chier avec des poupées qui vont t'attacher toutes les 5 secondes. Faut aller à la Playtime Company. Et voilà, hein. Voilà la Playtime Company, il faut faire une révolte. Hein. Faut savoir, en fait, ce que je veux savoir, c'est. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est quoi leur désignation? Est-ce que c'est des poupées? Est-ce que c'est... je sais pas moi, des... Est-ce que c'est des humanoïdes? Genre en gros, c'est des aliens qui ont pris l'apparence de poupées pour faire peur les gens? Ou c'est comme, tu sais, FNAF? Comme dans FNAF. Enfin, j'ai jamais joué à FNAF, mais j'ai entendu parler, bien évidemment. Imagine comme tout le monde. FNAF, c'est des animatroniques, je crois. Ça veut dire que... Ce serait peut-être comme des animatroniques qui en fait se disent, bah, au lieu de faire les choses que la nuit, faire aussi ça le jour.
pourquoi pas. Ah, celui-là, il fait jour, là. Moins que c'est genre à tomber de la nuit que tout se passe. Eh, franchement, c'est... Franchement, genre... Eh, je sais pas. Mais en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé.